Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un épisode sur Baldur's Gate 3, on est en compagnie de Vincent Broker, Astarion et Gaël, et on est dans la chambre de Raphaël, hein, ni plus ni moins. Donc épisode précédent, on a réussi à rentrer dans cette demeure de l'espoir, hein, dans le but de choper le marteau orphéique, et là on a une autre quête, c'est libérer Espérance, je pense qu'on va le faire, mais avant toute chose, bah, il va falloir récupérer le marteau orphéique. Bah, on a réussi à trouver le mot de passe pour ouvrir le dôme afin de pouvoir le prendre, mais ça va être le bordel, hein. Peut-être le bordel parce que Raphaël il va s'amener, enfin ça va être un merdier pas possible. À moins que je puisse le prendre sans faire de vagues, mais j'y crois pas trop en fait. Peut-être qu'il y a un piège en dessous de ce dôme. On essaiera de voir, on essaiera d'examiner toutes les possibilités, mais ouais, je sens qu'on va devoir se coller contre Raphaël, c'est pas possible, hein. C'est un trop gros antagoniste pour qu'on se le tape pas. C'est ce que je pense, tout du moins. Donc écoute, on va bien voir, hein. Cette chambre, il faut y arriver par le balcon en fait, sans avoir besoin de faire un jet de perception contre l'archiviste, donc c'est cool. Allez. L'archiviste nous a vu, ça y est. La sphère. There it is. A magical field surrounds the item, preventing you or anyone from touching it. You surmise it's controlled by a vote. C'est ce que je désire le plus au monde. Careful. Stealing the most precious item in this place is hardly going to go unnoticed. M'étonne. Faut faire gaffe, hein. Et le guetteur, ouais, dans la prison, si on l'affronte, ça va à fond. Bah, on va affronter Raphaël, hein, si c'est comme ça. Ouais, bah, on va le prendre, hein, tant pis. Allez, go, hein. J'accepte mon destin. Ouais. C'est ça, c'est bien. Mon broker, parce que je sais pas si le marteau on peut l'utiliser comme arme en fait là. Il est bien comme arme en plus, non? Frappe de libération, c'est quoi? Attendez, parce qu'il a l'air sympa quand même, l'arme là. Frapper les liens magiques gardant les créatures entravées par les étourdis qui les libèrent. Ah d'accord, c'est pour le truc, ok. Après c'est une arme plus 3, donc je tape facilement avec. 8 à 17, ouais. Ah mais c'est considéré comme un marteau de guerre, ouais, mais c'est de la merde. Y'a personne qui a ça dans mon... dans capacité de mettre une arme comme ça, quoi. Personne qui maîtrise des marteaux de guerre, quoi. Je peux quand même utiliser, mais ouais, je ferai des dégâts atroces, quoi. Ça, c'est pas une masse d'armes, quoi. D'ailleurs, j'aimerais équiper de... sans de l'attente, parce que j'aurai le rayon de lumière, moi, en fait, hein. Donc c'est un brin mieux. Bien sûr. Ok. Bon bah... ça, je sens que ça va être la merde, donc Gaël. Je vais utiliser ça. On va faire une invoque. Tu vas invoquer un myrmidon d'eau, je pense. Parce que il va sûrement faire des dégâts de feu, hein, Raphaël. C'est obligé. Myrmidon d'eau qui nous aidera, du coup. Astarion. Je vais invoquer tes diablotins. Allez. Moi, je mets toutes les chances de notre côté, hein. Pour ce combat, parce que ça va vraiment être la sauce, hein. Dès que je vais sortir de là, mais... ça va être un bordel pas possible, quoi. Ah, Raphaël, il va vouloir nous la mettre, hein. C'est sûr et certain. D'ailleurs, ouais, à ce moment, tu peux pas crocheter les... tant qu'on y est, crocheter ça, hein. Tant qu'on est en famille, là, hein. On va voler les derniers trucs, hein. On va aller, on ajoute à la vente, allez. Il y en avait une autre, hein. Si on affronte Raphaël, ça va tellement être un combat bordélique là. Je n'imagine même pas le délire, hein. De la jacinthe, ok. Ajouter à la vente, ça marche. Ouais. Là, je me suis vraiment mis les invoques et tout le merdier afin d'avoir tout ce que je peux, hein. Parce que là, ça va vraiment être un combat compliqué, je pense. On va bien voir. Allez, on sauvegarde. Merde, j'ai sauvegardé pendant que les autres qui me parlaient là. Good news. You got what you came for. Six bad news. So many things will be on fire when you step outside of this room. You included. Worst news, Raphael's on his way home in Opal. It's really important that you don't panic, even when your eyes come down and bring the hammer, break my chains and then we exit stage any which way. C'est sur moi.
Bah ouais, c'est ça ouais. Regardons. On essaie de pas se faire tuer déjà, hein. La débitrice déjà, elle va crever. Voilà, hein. Merde. Encore une baston. Waouh, putain, la sphère des enfers là. Ah merde. Coup critique, ok. Visiblement, je peux rien faire d'autre. Attendez, la sphère des enfers là, elle est... Ouais, bon, on peut lui faire des dégâts de froid, quoi, ok. C'est bien. Mais c'est pas ça qui va m'aider, quoi. Ok. Allez, on va tout donner. Elle est étourdie. Non, elle est pas étourdie. Immunité contre étourdie, ah d'accord, ok, c'est ça que j'avais pas... C'est ça que j'avais pas vu. Ok. Why am I doing this? Ok, bon. Du coup, Astarion, bah... J'ai une excursion infernale, c'est nouveau ça. D'accord, on n'est pas qu'une créature. Bon, je peux rien faire d'autre. Tant pis. Passe mon tour. Je suis dans feu. Ouais, des dégâts de brûlure, ok. Bon, je vais sortir d'ici, quand même. Bon, le myrmidon de flotte, là, bah, ça va être au tour d'ombre au cœur d'abord. Ouais. Tu vas aller là. Je pense qu'on lui fait un rayon traçant, hein, cette sphère de merde, là. Ouais, voilà, elle a rien pris. En zéro dégâts, quoi, c'est impressionnant. Myrmidon de flotte. Déplacement impossible, tu te... Ah, y'a Gel qui gêne, putain. Bon, faire un déplacement élémentaire, c'est bon, faut arrêter les conneries. Ok, très trident explosif, ok, on va faire ça, je pense. Il a rien pris, sérieux? Ah si, il a quand même pris, j'allais dire, faut arrêter les conneries, hein. Je crois que j'ai tué un diablotin sans le faire exprès, mais ils veulent pas y aller parce qu'il y a Gel qui gêne, je crois. Raté, ouais, je rate ça. Très bien. Step by step. Ah, la sphère infernale, c'est le cas de le dire, hein. Ouais, c'est résistant à tout, c'est impressionnant. Il y a qu'à la glace potentiellement où c'est pas résistant. Du coup, ça fait chier quoi. Ouais, cornée de givre, ok. Ouais, c'est sympa, hein. J'ai tapé le myrmidon, mais putain! Cette hitbox de merde, la hitbox dégueulasse, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Ouais, il est immunisé contre l'étourdissement, donc autant que je le touche. Hein. Il a rien pris, c'est criminel. Oh là là, il prend que dalle. C'est impressionnant, hein.
Bon, le myrmidon là, ouais. Ah, je suis en désavantage, c'est sympa. C'est bon, il est mort. Putain. Ah, ils ont été dans le feu, ils sont morts, mais ils sont trop cons, quoi, c'est pas possible. Ok. Tu m'empêches de m'accroupir, espèce de connasse. Non mais là, ouais, ça va être un merdier, pas possible. Tous les ennemis veulent ma mort, là. Hein. L'idée, déjà, c'est d'aller dans... C'est déjà que j'arrive à me barrer en fait, quoi. Eux ils vont se transformer, ça va être relou. Et eux en fait, le problème c'est que bah ils se retransforment directement derrière et c'est horrible. Ok. Attendre que le feu s'arrête, hein. C'est bon. Ok, c'est ça que je voulais voir. Ok, les molosses ça meurt. All's well that ends. Not as bad as it could have. If not over, then through. Ouais, j'ai déjà perdu 35 points de vie avec ces conneries, hein. Je l'ai vu. Le myrmidon de flotte là. Ouais. Tu vas jouer avant ? Pour être sympa, on voit que tu joues avant toi. Rejoue, s'il te plaît. J'ai tout loupé. The dance macabre. Spill some blood. Bam. Bon, c'est bien, au moins, il réussit, si on réussit nos jets, quoi, c'est déjà ça. Putain. J'ai le marteau orphique, en vrai j'aurais pu passer par là et me barrer quoi. Mais là je veux absolument que j'aille la libérer, c'est très chiant quoi. Bon, après je peux sauvegarder, c'est pas un problème. Je veux surtout aller me soigner à l'infini en fait, c'est ça le truc. C'est sympa. Ah, j'ai tout récupéré. J'ai tout récupéré, bah parfait. J'ai récupéré tous mes points de ki. Bon, on va faire ça, on va spammer cette salle en boucle hein, pour se soigner parce que l'endroit est déjà assez compliqué comme ça. Hein. Pas besoin de se rajouter de la difficulté supplémentaire. Et si je veux, je peux me invoquer un truc ou pas là bon, je pense que je peux faire qu'une seule invoque. Hein. Je peux en faire plusieurs ou votre connerie là. D'accord, super, nice. On rigole, hein. Là on rigole. C'est très amusant. Still breathing, despite
truc qui vient de nous tomber sur la gueule, là, mais il est en train de nous éclater, quoi, c'est génial, hein. Allez. Pas le choix, on va le taper, hein, de toute façon, j'ai pas le choix. Et je le rate, parce que c'est la tradition dans ce jeu à la con. Le myrmidon d'eau qui prend des dégâts d'eau, d'accord. Je l'ai raté deux fois, sérieux, c'est réel. Pff, je pensais que c'était des dégâts de zone, moi. Bon, ok. Visiblement non, hein. Qu'est-ce que je peux faire du coup pour le dégager lui? Je peux même pas l'étourdir, c'est très chiant, les sphères infernales là. Allez, hein. Coup critique part pas mal. Il vient de mourir, en fait ils nous font plus chier qu'autre chose, les petits trucs de merde là, c'est génial. On apprécie, hein. Allez, niveau max dans ta gueule, toi. Petit 45 là, pas mal. Ah ouais, sur Gale, bien sûr, évidemment. Attention. Allez, on tabasse. Et on rate déjà 70%. Parce que c'est la trad. Toujours, hein. J'ai fini par me faire une raison, moi, de toute façon, hein. Vous savez, hein. Excellent. Bam. Tant qu'il explose pas, tout va bien. Non, mais passez pas dans feu infernal. Vous allez crever, bande de sgeg. Regardez. Il passe en boucle dedans, hein. Ça disparaît un jour. Ouais, merci. Le truc, c'est énorme comme je sais pas quoi, les mecs ils vont dedans, hein. Putain, ça me troue le cul, quoi, ça, hein. Je vous assure. Oh là là, mon dieu. Putain. Tu peux te soigner, toi, du con? Non, je pense pas, il peut pas se soigner. Comment qu'on fasse un repos court, peut-être? Ouais, le repos court, ok, ça marche. Ah, par contre, ça... Ça nous met pas de repos court, d'accord, là, d'accord. Donc j'ai soigné l'invocation, très bien. En fait, vaut mieux refaire une invocation, quoi. Ok, très bien. Bon, je le saurai. Sauvegardons, il nous reste encore un repos court, tout du moins. Allez. Pas aussi loin, connard. Ah d'accord, un Mérégon. Très bien, ok. On va lui défoncer sa gueule, hein, au Mérégon. Meurs, Mérégon. Dégage, voilà. Allez hop. Ça, on tabasse tout le monde en fait là depuis tout à l'heure, hein, c'est génial. Par contre, ouais, la salle de bouffe là, ça va être incroyable, hein. Il faut aller à la prison d'abord pour l'aider, l'autre là, ça va tellement être la merde. Quel enfer. Encore un Mérégon. Ouais, bah c'est bien, tu veux lui refaire la même, hein. Allez. Invocation qui fait un taf monstrueux, hein. Tellement bien fait de la faire venir, parce que sinon on aurait été dans la merde contre les sphères de feu, là. Ça aurait été la sauce, mais totale, hein.
Il va arriver bientôt cet enfoiré là. Ouais, la trappe vers la prison, ouais, c'est bien. Oh, ça va être chiant. On va sauvegarder. Ne pas l'affronter, ouais bah. Make sure I'm with you. He makes mistakes when he's angry, and seeing me running free will make him as angry as an axe head. He sounds so. Très bien. Ok. Alors par contre, il va falloir le marteau. J'ai pas le choix. Je vais devoir m'équiper du marteau, en fait. Même si j'ai pas la maîtrise des armes, tant pis hein. Faut que je tape avec. Allez, sauvegarde. Oui, bah évidemment, il va y avoir l'autre connard, évidemment, hein. Appuie sur ce bouton. Ouais, putain, un spectateur, quoi. Ma mia. Deux spectateurs, waouh, ça va être un combat très dur, hein. Les deux, ils vont être chiants comme la mort, quoi. Ça va être casse-couille. Oh là là. Ouais. Avec l'invocation, ça sera pas de trop, hein. Il faut que j'ai l'avantage en vrai là. Si j'ai pas l'avantage, ça va vraiment être la merde. Hein. Vas-y, je vais en buter un là. Cache pistache. Time for discretion. Eh, en vrai, si j'en ai sorti un là, gratos, hein. Ils ont rien remarqué les autres débiles, hein. Ça fait un ennemi en moins, mine de rien, hein. Et ça, c'est très cool, hein. Les diablotins, là, ils sont casse-couilles, hein. Ok, on sauvegarde, c'est quoi? Si j'arrive à les sortir comme ça, j'arrive à en sortir deux tout du moins, ça serait déjà pas mal, hein. Après, si on arrive de l'autre côté, là, oui, l'autre côté, ça aurait été sympa également. Le fait qu'il y ait des spectateurs, là, ça me casse les couilles. Ah, j'ai pas la portée. Je n'ai pas la portée pour ces enfoirés, hein. Alors que je saute là. Et ça me fait chier en fait. Hein. Parce qu'ils voient toute la plateforme là. Autre tour par tour, ouais. On va faire ça. Je saute. Je suis plus en discrétion, c'est une plaisanterie. Ah si, je suis encore en discrétion, c'est bon, faut arrêter les conneries. D'accord, ouais. Non, c'est juste que là-bas, je vais essayer de tirer sur un spectateur quand même. Ils sont surpris, c'est cool. Si j'en sors un, ça aurait été dommage. C'est dommage. J'arriverai pas à en sortir un. Mais on est en mode discret, et ça, c'est cool. Si je sors un spectateur gratos, là on a toutes nos chances. Allez, go. Allez, un spectateur en moins. Ça dégage. Guide, vas-y. Ah là là, la discrétion là qui passe, mais à l'as. Et ça, c'est incroyable. Ah, il est rentré en combat lui, mais c'est normal. Faire gaffe à pas tomber par contre, hein. C'est vrai qu'après on peut les pousser ces connards, hein. J'y pense pas, mais...
Alors je fais ça et on n'en parle plus, hein. En fait. Mais bon. Sensible à quoi le spectateur déjà? Enfin, juste qu'il est surpris, donc du coup il est un peu sensible à tout, quoi. Ouais, je voulais voir. Ah, je peux pas, ça va être vraiment avec la pluie de glace et... ou rien, quoi. Ou une boule de feu, hein. Ouais, ouais, boule de feu c'est pas dégueu. Boule de feu c'est 8 à 48 de dégâts. Ça c'est 6 à 40, ouais. Je vais faire une boule de feu, de la mort qui tue là. Niveau 6. Dans leur cul là. Bam, allez, bouffé. Il a quand même bouffé sa boule de feu, hein. C'est bon. Le myrmidon là qui va. Ils sont sensibles à quoi eux déjà? Ah, ils sont résistants au froid, mais ils sont. Ouais, d'accord, ok. De toute façon, c'est le spectateur la menace principale. Hein. Moi, c'est lui que je focus. Hein. C'est beaucoup trop dangereux. J'ai touché un petit peu. Walker, c'est à toi. Envie de no balls là. Hein. Je vous jure. Allez. Saute. C'est toi qui as le marteau en plus, donc c'est toi qui peux taper les trucs pour les aider, hein. Enfin, l'aider, l'autre machine. Et dans l'idée, on veut péter la gueule à lui, forcément. C'est un peu notre goal. Allez, hop. Il n'y a plus que 20 points de vie, c'est bon, on va le sortir au prochain tour là. Go, donc Astarion. À toi, tu vas rien faire d'autre. Tu vas peut-être faire un bond ici, non? C'est trop, d'accord, tu peux rester qu'ici de toute façon, ok. Myrmidon, tu restes là. Hein. Ils sont surpris, donc ils font rien. Je peux te tabasser en fait. Hein. Ouais, bien sûr. En moins. Autour de Gay qui a déjà joué. Tu peux sauter, hein, en fait, en vrai. On va refaire ça. Et ton broker, bah ouais, tu peux aller là-bas. Et taper un saut de l'autre côté, hein, en vrai. Sérieux, c'est trop haut? Ah non, j'ai plus de saut, ok. Non, il est... D'accord, il est encore là. Ouais, ça, du coup. Il est effrayé. Ah, c'est bien, ça. Très bien, même. Quoi ça en fait? Vous téléportez un fusion de nain à votre point d'arrivée, l'explosion est fait de 3 mètres. D'accord, bah écoute, on va faire ça, hein, je pense. Pas mal, ok. Y'a plus que 3 points de vie. Un bon jet là. Le spectateur est mort, le truc est mort, bah c'est parfait. On a tout sorti ici, c'est nickel. Bravo, franchement là rien à dire quoi. Des charges occultes, par contre, ouais, il y a moyen que je tombe, faut faire attention quand même, hein. Ça va être un bon contre-sort, là. Ouais. Allez, je vais le tabasser, lui, là. Bam. Bam, voilà. On saute là-haut. Bam. Dommage que j'ai pas assez de déplacement. Je peux pas foncer. Oh d'accord, bah ouais, 240 pièces d'or on prend. C'est bon, c'est très bien.
Ouais, et toi, sort de niveau 2. 1, 2, 3, 4, et on en parle plus normalement. Hein. Parfait. Allez, ça dégage. Je suis fier de vous, les gars. Bam. Et de une. Ah là là, ce combat contre les spectateurs là, dire que c'est des ennemis qui m'ont tellement cassé les couilles au début du jeu là, qui est là, on les a éclatés quoi. En deux frames, hein. Ça fait tellement plaisir quoi, je vous jure. Oh. Vous êtes très belle espérance. I blush if they had left me any skin to redden, and I would kiss you if they had not torn off my lips. Donc, t'assure que ça va. You truly are the kindest film I've ever met. We'll carve our way to the entrance hall and chop Raphael into masses. Onward! Elle est complètement tarée, elle. Ça me fume. Ah, en plus, elle me. D'accord. Donc, elle est avec moi. Elle fait des sorts de soins et tout. C'est parfait, ça. C'est parfait. Je peux même lui équiper. Non, je peux pas lui équiper de trucs, mais ouais, c'est parfait, c'est nickel. Y'a rien à dire, quoi. Ok. Bon, du coup, maintenant qu'on a fait ça. Parce que là, ça s'amenait ouais, vers le chemin qu'on avait vu dehors dans l'épisode précédent. Là, il ouais, y a lui. Bah, là, ouais, faut revenir là-bas, en fait. Hein. Ouais, d'accord. Bah, écoutez, ouais, c'est bon, on va faire ça. Hein. Allez, go, hein. On va passer par le chemin safe, c'est-à-dire là-bas. Pour que tout le monde puisse nous suivre, bien sûr. Que tout le monde ne pourra pas, sinon. Attends, c'est la jungle, hein. Tout le monde saute. Tout le monde fait nimp. Allez. Et l'élémentaire il nous suit, ouais, c'est bon, il vole, lui il s'en bat les couilles. Très bien. Bon, on n'a plus qu'à sauvegarder, je pense, du coup, là. Tac. On va retourner se soigner, bien sûr. À la chambre de Raphaël. Je m'étonne qu'il soit pas encore arrivé de par là, quoi. On va retourner se soigner, on va faire que ça, de toute façon, je vous le dis, hein. On avance à tâtons, on soigne, on avance à tâtons, on soigne. On fait que ça. Et ça se passe bien, hein. C'est bon, hein. On prend zéro risque. Bon, Gale. Il va falloir que tu invoques... un autre Myrmidondo, je crois, hein. Attendez, c'est une arnaque. Ah non, il va mourir lui. Ouais, d'accord, j'allais dire. Ça aurait été une putain d'arnaque si je pouvais en invoquer à l'infini, quoi. Bon, par contre, les zombies, ouais, je les invoquerai quand même contre Raphaël. On sait jamais, ça fera peut-être des petites cibles à la con. Mais là, ils m'ont plus fait chier qu'autre chose parce qu'ils m'ont fait des dégâts nécrotiques. Donc, je sais pas. Je pense que je vais pas l'invoquer. Hein. Par contre, oui, l'invocation avec ombre cœur, j'y pensais plus. Oui. Attendez. J'ai complètement zappé ça. L'invocation d'ombre cœur, j'y ai pas pensé, merde. Je suis un peu idiot, moi. Après, faut pas oublier, j'ai son truc, là. Hein. Intervention divine. D'ailleurs, il y a un plus. Des dégâts radiants, morts hérétiques. Ok. Ressuscite vos compagnons tués en ramenant la moitié de leur point de vie. Ah putain, ouais, d'accord, c'est vraiment quand t'es dans la merde. Afin de recevoir une grande quantité de potions. Ah, non, c'est bon. Recevoir une arme légendaire. Ah, d'accord. Ah, on peut faire ça. Ah, bah, ok, bah, je savais pas. Bon, d'ailleurs, en broker, le marteau, il sert plus à rien. On va être équipé du sang de la tendre. Qui est où? Ah, là. Je suis toujours un rayon bonus, hein. Et ça, il faut que je le fasse contre Gale, je pense, hein. Au prochain repos, ok. Oui, ton invocation. C'est vrai que je suis complètement zappé, moi, comme un sbirman. Et d'ailleurs, oui, attendez. Je viens de penser à un autre truc, hein. Je suis un peu con, moi. Hein. Au lieu d'avoir guérison de merde, là,
Je vais prendre le festin des héros, moi. Alors, je fais l'invoque. Bah, le djinn, c'est ça. Ce qu'il fait, ils font quoi, eux? Attaque commotionnante. Châtiment courroucé, retour à la vie, ouais. Donc lui, il fait des dégâts de feu, mais lui... Il fait quoi, le djinn, déjà? Merde, putain! Je me paume dans les menus, c'est agaçant au possible. Non, lui. Le djinn, là. Coup de vent. Ça les entrave. Il fait des inhalations de poison, il fait des vagues tonnantes pour dégager les mecs. C'est pas mal de faire des vagues tonnantes. En plus, ça fait 5 à 40 points de dégâts, ouais. Je pense que c'est le mieux, on va faire un djinn. Je pense ça. Allez. J'aurai un djinn avec moi. Voilà, et on va faire ça. Festin des héros, du coup. Immunisé contre les maladies, le poison, on peut plus être non plus effrayé, bénéficie d'un avantage sur les aides de sauvegarde de sagesse, un maximum de points de vie augmenté de 12. C'est parfait, c'est parfait. Même quand on se repose, on a toujours le bonus en plus. Oh, on est full buffé en fait là, ouais, c'est n'importe quoi. Hein. Bah, bah là, bah tiens, essaie de nous buter, hein, Raphaël. Essaye de nous buter. On a des add-ons et tout. Ça va le faire. Moi je dis ça va le faire. Après il reste encore les Spearman là, oui, à l'entrée. Ils sont 4, 5. Ok. On va essayer d'être discret. C'est Astralion qui va avancer en premier, je pense. Pourquoi il essaie de faire ça? Parce qu'il est un peu con, désolé, faut pas lui en vouloir. Hein. Il a foutu le feu à son pote, c'est génial. Ok. Je repars repérer un. Donc moi je vais avancer. Jusqu'à ce que je sois repéré. Ah d'accord, ça a été vite. Très bien. Par contre ouais. Le Myrmidon là il va avancer, il va faire un carnage en fait hein. Allez tire. Ouais, le carnage est vite fait hein. I won't give in. Ils sont immunisés au feu, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Et chier. Donc je vais devoir aller au cac et leur marave la tronche, quoi. Ok, bah nice, hein. On est content. Donc lui va se prendre ça. Lui il est mort, très bien. Ah, j'ai pas assez de distance, d'accord. Ça c'est un peu con ça. On va faire flou du coup. Très bien. Je peux me téléporter pour taper ces du con là, mais... Il fait quoi lui en fait? Débiteur à l'armée, ouais non c'est bon on s'en fout. Lui a déjà joué. Le djinn. Il peut, vent changeant une brume et augmente votre enveloppe, vous téléporte dans un endroit inoccupé. Parfait. On va aller là. Elle est à bibou là. Putain, comment il parle. Par contre, ouais, c'est le bordel là. Hein. Voilà, il est mort. Parfait. Et il s'est fort aussi un djinn hein. Il s'est cassé la gueule. Ok, les dégâts de feu. Waouh, ils sont tous transformés là, c'est un merdier pas possible, ok. Ok, donc il y a la Claire là qui va nous aider hein. Donc elle a quoi elle? Préservation de vie. Sonne vos alliés, ça sonne tous les alliés, ah ouais c'est fort. Hein. Elle a tout ça comme sort, waouh. Une bénédiction, ouais. Un bannissement, un soin de groupe aussi. Rayon de givre.
On attaque hein, comme ça, gratos. Très bien. Ouais, bah ce que je peux faire là, c'est peut-être. Ouais, des autres soins. Ouais. Elle est vraiment pour le soin, quoi. Elle va vraiment nous aider. Hein. Ok, très bien. Armure de mage, ouais, non. Qu'est-ce que je peux faire? Le meilleur, je crois que c'est un trait. Un rayon traçant. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est ça où je garde ses sorts pour le combat contre Raphaël, en fait. Ouais, on va faire ça plutôt. Parce que je sais pas si elle récupère ses emplacements de sorts, elle. Hein. Avec les soins et tout, là. Non, on va pas réagir, c'est bon. Il a fait un bon critique, l'enfoiré. Hein. Raté du con. Boum. Il attaque le Myrmidon, ok. Le Mérégon, là, qu'est-ce qu'il va faire? Échec critique, c'est bien. Et il tape Vincent. Il me repousse. Putain, la vache, on prend cher, là. Hein. Bon, ça commence à être casse-couille, là. Hein. Lui, il est mort, c'est bon. Sanglier est mort. Il est mouillé, ok. Tu vas prendre toi. Astarion traçant. Astarion, c'est le moment de briller. Des dégâts, mais c'est pas grave. Come on, can't stay idle. Là, ce qui là? Le Mérégon là, ok. Ah, celui-là, gueule. Non, tombe pas! C'était pas le moment de tomber, connard! Allez, on va te taper. Frappe hivernale. Oh, il a pas aimé, hein. On va le taper. Taper l'élémentaire. J'ai pas reconnu mes amis de mes ennemis là. Hein. C'est très grave ce qui se passe. Ah, le touche, mais ça suffit pas. Merde, je suis dégoûté. Oui, il va tuer Vincent. Hein. Ouais. Même pas, ça va. Ça suffit, ok. Allez, ça suffit maintenant. Faut te relever, gros. Ok, bon. Quel merdier. Bon, on va aller se reposer hein, parce que là on a... Il reste plus qu'à aller là-bas pour se barrer, mais c'est là-bas qu'on va rencontrer Raphaël, je pense. Pourquoi t'as fait ça? On va se reposer. On aura fait que ça sur cet épisode. On avance, on se repose, on avance, on se repose. C'est génial, hein. Alors, tourne au boudoir. Et on se repose. Ouais, espérance, elle aurait pas été soignée, donc ouais. On va refaire l'invocation du djinn, je pense. Allez, tac. On se repose. Non, on se repose. Et on refait restauration des héros, là. Comme ça, le djinn, il a le bonus. Et nous, on est soignés. On a tout ce qu'il faut. Donc, ouais, donc Espérance, du coup, pourra nous aider, hein, avec tous ses sorts actifs, du coup. Elle pourra vraiment nous soigner, on aura deux clairs, du coup, donc ça, c'est énorme, hein. Deux trucs qui peuvent nous soigner, c'est... pas déconnant, quoi. Hein. J'hésite même à me mettre des élixirs de résistance au feu et tout, merdier, quoi. Ouais, parce que là, mais là, on va se taper contre Raphaël, hein. Derrière cette porte, là, ça va être l'enfer, hein. Et je déconne pas, hein. Ouais, on va faire ça. Élixir. Quite ready for you. My face protects me. Peut-être avec un accent.
Élixir de culture arcanique, ouais, non. Pas trop ce que je veux. Ouais, non, résistance au feu, ouais, c'est ce que je veux, là, par contre, tu vois. Allez, on va prendre ça. Résistance psychique aussi, résistance à la foudre, ouais, bah, je pense que c'est plus le feu qu'il va falloir, là. Et il a... Broker. Astarion. À l'acide, non, c'est bon. Colosse. Non, la taille augmente, c'est pas ce qui me fait le plus rêver. Géant. Et là, il y a géant des nuages. En fait, on a 27 en force, c'est n'importe quoi. Efficacité vos sorts, gagner 3 en acuité arcanique remplace les effets. Et c'est fort ça. Ah, des autres élixirs, ah merde, d'accord. D'accord, donc en fait j'aurais plus de résistance au feu. Mais j'ai acuité arcanique, je fais plus de dégâts avec mes sorts quoi. Parce qu'acuité arcanique c'est ça, hein, je crois que c'est ça le délire. Degré de difficulté, ça c'est ça que je comprends pas en fait. Degré de difficulté c'est quoi? Ouais non en fait non. Non en fait non, c'est pas puissance de mage de combat. C'est pas mal pour Gael quand même quoi, mais... Ouais allez, il va le prendre quand même Gael, allez c'est bon. Ça m'énerve. Et puis j'aurais cramé un élixir de... de résistance au feu quoi, mais bon ça c'est fort quand même hein. Batterie arcanique. Des résistances arcaniques du coup. C'est de la merde, 3 tours restants seulement. Ça part. Attendez, faut que je regarde. Hein. Ouais, ça a l'air de partir. Hein. Ah, je suis dégoûté. Je pensais que ça restait tout le temps. Prochain long repos. Ah non, j'ai acuité arcanique jusqu'à mon prochain repos, ouais, c'est bien ça. Ok, j'avais du mal à comprendre. Bon bah écoutez, je pense qu'on est prêt, hein. On va sauvegarder, par contre... Ah, les amis, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, parce que je pense que là, oui, on a fait pas mal de... 47 minutes à se balader, à taper des ennemis, à libérer Espérance. On a relibéré Espérance quand même, ça c'est pas mal. Mais ce qui va nous attendre là, derrière cette porte, parce qu'elle s'est pas refermée pour rien, hein. On va se taper Raphaël derrière cette porte. Ça promet d'être un combat assez ardu, donc on va peut-être sûrement passer même l'épisode suivant dessus. Enfin, tout indique que ça va être un boss de malade mental, hein. Enfin, les portes fermées, les sbires constables, le fait qu'on peut se soigner à l'infini aussi, ça me trigger d'un peu. Je sens que ça va être chaud, vraiment, ça va pas déconner, donc soyez au rendez-vous pour le prochain épisode, j'espère que ça vous a plu, des bisous, portez-vous bien, salutations.